Salut la team, c'est Lokan et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler d'un routeur Wi-Fi 5G de TP-Link X50 5G qui peut fonctionner en tant que routeur 5G si vous n'avez pas de fibre optique chez vous ou que vous êtes dans une maison de campagne par exemple mais que vous avez une bonne connexion 4G ou 5G et aussi en mode connexion classique filaire avec un backup 5G intégré. En vrai, c'est un super bon produit et on va le configurer avec des petits modules mesh qui sont là dans le but d'étendre la portée du réseau tout simplement afin de voir ce que ça donne, comment ça se configure, comment ça marche, etc. On va commencer de suite par le sujet important. C'est pas une vidéo expert, c'est pas une vidéo réseau vénère, etc. comme j'ai l'habitude de vous en faire pour du matos Unify avec des baies réseau, etc. C'est vraiment très grand public et ça répond à un besoin concret juste chez mes parents, mes deux parents qui n'habitent pas dans la même maison puisqu'ils sont divorcés. On n'a pas de fibre optique, mais par contre, il y a des antennes 5G. Pas loin du tout, on a un vrai bon gros réseau 5G et ça peut leur changer la vie. Donc il y a plein de personnes concrètement pour qui une connexion 5G, sous limite d'avoir suffisamment de fair use sur votre connexion 5G, ça peut changer la vie parce que tout le monde n'a pas la fibre optique, hélas. Et pour ceux qui ont déjà une bonne connexion filaire, avoir un backup 5G, ça peut être intéressant si vous êtes un peu geek slash un peu parano. Ça vaut 400 €. Les modules, le kit de deux modules vaut 170-180 € au moment où je fais cette vidéo. Donc on est vraiment sur un setup pour une très grande maison, ça plus deux trucs comme ça, à un tarif assez raisonnable. Ce module 5G, c'est le Deco X50 5G. On a à l'arrière un port 2,5 gigabit Ethernet, deux ports gigabit et ici en haut, on va avoir la possibilité de rajouter des antennes pour capter de manière externe, donc un meilleur signal tout simplement. Sur le dessous, on a la petite trappe pour la carte nano SIM, on va avoir l'entrée d'air sur le dessous et l'extraction d'air sur le dessus, puisque le module peut chauffer pas mal. Il peut se configurer de deux manières, et en mode behind the scenes, c'est la deuxième fois que je fais cette vidéo parce que je l'ai loupé la première fois. Vous pouvez le configurer, comme je vous ai dit, en filaire directement relié à votre box avec un backup 5G ou en 5G seul. Vous pouvez aussi le configurer, mais ça serait donner de la confiture au cochon, en tant que répéteur Wi-Fi d'un modèle déjà existant. Sur les petits modules qu'on a là, mais c'est pas le sujet de cette vidéo, on a trois ports RJ45 et l'alimentation sur le dessous, ce qui veut dire qu'on va pouvoir avoir une connexion depuis celui-ci, une connexion sans fil à l'autre qui va se trouver dans une autre pièce, et vous allez pouvoir brancher en filaire des équipements sur ce périphérique-là. Donc ça, en termes de performance, si vous n'avez pas la capacité de pouvoir tirer des câbles ou des fibres dans toute votre maison, c'est déjà très sexy. Pour les besoins de cette vidéo, qu'est-ce qu'on fait? Je branche le module à un port 2,5 gigabit Ethernet ici, donc sur le port 2,5 gigabit Ethernet là. À l'intérieur, il a déjà la carte nano SIM qui va normalement dans mon iPad mini cellulaire. Et à l'étage au bureau en version moche, je viens brancher juste en bas le module qui clignote rouge, mais il va se connecter dans un instant, qui lui est branché juste en Wi-Fi au module 5G qui est juste en dessous. Il n'y a rien de raccordé sur l'autre Enterprise qui est juste ici. Le temps que tout ça remonte, je vous propose de regarder comment ça se passe dans l'application Deco. On va avoir une jolie petite topographie de ce qui se passe réellement. Donc aujourd'hui, là, on voit qu'on a le garage qui est hors ligne, je viens juste de le rebrancher. Si je clique sur le premier, le salon qui est juste derrière moi, on voit ce qui se passe ici. Si je me connecte en filaire, ça marche un petit peu mieux. On voit borne par borne ce qui se passe et là, je vois mon téléphone, celui avec lequel je suis en train de faire la vidéo, qui est en train de se connecter. Je peux lui donner une priorité élevée. Je veux qu'il ait le meilleur débit parce qu'on va pouvoir appliquer de la QoS, Quality of Service, qualité de service en français. Et on peut aussi lui dire que c'est un membre de la famille et appliquer un profil. Est-ce que c'est un parent? Est-ce que c'est un enfant? Est-ce que c'est un adolescent? Et en fonction des profils, on va pouvoir mettre des restrictions. Il y a tout ça d'intégrer directement dans l'application. La partie configuration, elle est très très simple. Je ne vous l'ai pas montré, mais réellement, elle est très très simple. On branche, on dit quel module on veut connecter. Si on fait un petit plus, par exemple ici, on va ajouter une borne déco, on va lui dire sur quelle configuration on est, suivant, on a des conseils pour le placement, le mettre loin de tout ce qui est électrique. Quand c'est bleu, ça peut se connecter et ça vient automatiquement chercher nos produits. Si je clique en haut à gauche sur mes paramètres Wi-Fi, je vais avoir la possibilité de lui dire que je veux un réseau Wi-Fi Deco X50 5G dont le mot de passe est « abonne-toi ». Et je peux choisir la sécurité du WPA2, WPA3, PA3, PA2, PA3 personnel, etc. etc. Bon, il y a des implications techniques là-dessus. Et dans avancer, je veux la largeur de bande en 80 MHz. C'est ce que moi j'ai configuré. Plus on met une largeur de bande large, plus on a de débit. Mais tous les équipements ne sont pas compatibles. Très peu d'équipements chez moi sont compatibles à part l'iPhone 15 Pro Max et le M3 de madame. Et si on a une largeur de bande de 80 MHz, ça va passer plus facilement entre les obstacles, les murs, etc. Alors que du 160 MHz, ça sera plus délicat.
On peut choisir également de masquer le réseau pour une raison X ou Y et on a à peu près fait le tour là-dessus. On peut partager ce réseau, c'est-à-dire que ça va générer un QR code que vous pouvez coller chez vous par exemple pour que quelqu'un puisse juste scanner ce réseau et se connecter. On va ensuite pouvoir créer un réseau d'invités si on a envie. On va avoir les mêmes réglages dans ce réseau d'invités que ceux qu'on a eu précédemment. Donc ça c'est plutôt cool. Le réseau d'invités par définition il prend le même nom avec un guest à la fin. L'onglet sécurité c'est pas la sécurité au sein de votre réseau, c'est pas de l'analyse de paquets etc. C'est la sécurité de est-ce que vous avez bien configuré votre système. Donc là on voit qu'il y a des risques et c'est la sécurité du routeur, la version du firmware qui est pas à jour, bon c'est normal, le mot de passe qui est pas ouf, le réseau d'invités qui est désactivé, etc. etc. On a des options en plus que propose TP-Link avec ces produits là, protection internet, prévention des intrusions, protection IoT. Et pour être très franc avec vous, j'ai pas creusé, c'est pas vraiment l'objet du test, mais si ça vous intéresse, il suffit de le dire dans les commentaires et on pourrait regarder ça. Contrôle parental, on peut maintenant créer un profil. Donc on va faire un profil enfant, on va mettre 9 ans, on va mettre cette petite tronche parce qu'elle est drôle, on fait suivant. Et on peut affecter des téléphones à un profil, donc on va mettre celui-ci et on va dire terminé. Et là sur ce profil, je peux dire, donc j'ai déjà un appareil dedans, je peux dire que je veux bloquer tel type de contenu, je peux bloquer certains sites web spécifiquement, si jamais ils passent à travers les mailles des filtres automatiques, et je peux donner une heure du coucher tous les jours de 20h à 7h, l'enfant fait dodo. Et là, on voit qu'en bas, il y a un passe à contrôle parental avancé, ça semble être une option en plus. Moi, pour de la sécurité, je trouve pas ça délirant. On peut faire une limite de temps et un délai dépassé pour voir ce qui va se passer sans internet, etc. Ça, c'est vraiment bien que ça soit built-in dans l'application, vraiment. Pour avoir fait beaucoup de réseaux, vous le savez, c'est des trucs qui sont chiants à mettre en place, il y a toujours des plugins dans tous les sens. Là, c'est natif. Bravo TP-Link. Et donc là dans mon contrôle parental, maintenant j'ai un widget qui apparaît, enfant, avec la cabine de l'enfant, et je peux bloquer le réseau si je veux bloquer l'accès à internet maintenant manuellement. Oui, t'as pas fait tes devoirs, attends, puisque c'est comme ça, je vais te bloquer. Bon voilà, pédagogie à deux balles. Ça c'est cool, si je clique sur le plus, je peux créer d'autres profils, je peux configurer le temps en famille. Oh merde! Donc je suppose que ça va bloquer internet pour tout le monde, incluant les administrateurs, pour passer du temps en famille. J'aime. Maintenant, on va aller dans les plus avec tous les réglages. Donc, on a le laboratoire déco avec les modules qui n'existent pas, entre guillemets, avec des fonctionnalités un petit peu touchy. On va avoir des rapports qui vont apparaître ici, hebdomadaires, etc. J'ai rien, je sais pas pourquoi. Les listes de blocage qu'on peut configurer. La qualité de service, encore une fois, qu'on peut activer pour dire ce téléphone est prioritaire, cet ordinateur ne l'est pas, ou la console de jeu ne l'est pas, ce qu'on voit sur la miniature ici. Paramètres Wi-Fi, on y était tout à l'heure. Réseau d'invités, on y était tout à l'heure. Le WPS sur différents produits, oui ou non. La connexion internet, comme on est connecté sur mon LAN, on va avoir une plage d'IP qui va être l'adresse IP de mon LAN en 192.168.10.116 avec un masque en slash 24. Et on va avoir la passerelle en 192.168.10.1. Les DNS primaires qui sont de DNS0, je vous ferai une vidéo à ce sujet. On a une fonction d'optimisation du réseau, donc je suppose que c'est les bornes Wi-Fi qui vont automatiquement scanner le réseau pour se mettre sur des fréquences qui gênent le moins. Et dans le monde avancé, on va avoir le mode de fonctionnement. Ça, c'est super intéressant. On est actuellement en routeur Wi-Fi, mais on peut par défaut se mettre en routeur 4G, 5G. C'est ce que je vous disais au début. La borne 5G va produire le réseau internet de votre domicile ou de votre maison de campagne, etc. Encore une fois. Là, je suis en mode routeur Wi-Fi, ce qui veut dire que je peux configurer en backup la 5G. Si je suis en 5G, je ne peux pas ensuite venir le brancher en câble. Il faut que je sois en câble et ensuite je débranche le câble. On va le tester dans un instant. Donc dans sauvegarde 4G 5G, ce que je veux faire, c'est activer ce module et je vais avoir le port 3 connecté à un modem, donc c'est le port 2,5 gigabits qu'il y a en bas. Je fais continuer et la configuration se fait automatiquement pour que ma 5G puisse venir servir de backup. Et dans les réseaux internet de ce module-là, on va avoir différents réglages de configuration qui, je suppose, voilà, on a la force du signal en bas, etc. L'IP du WAN, ben, il n'y en a pas besoin puisqu'on a toujours du réseau sur le LAN. Ça permet d'économiser de l'énergie. La puce 5G n'est pas toujours connectée, apparemment. Ça, c'est plutôt malin. Mais on a quand même les informations du signal en bas. Elle sait que le signal est là, mais on ne demande pas forcément une IP. Juste, c'est en veille. Et si jamais vous ne vouliez pas le port 3 comme port WAN, on peut venir modifier le port qu'on va utiliser. Dans ces réglages avancés, on peut lui dire qu'on veut un autre serveur DHCP derrière, donc en cascade, entre guillemets, un double NAT. On va avoir une IP qui va démarrer en 192.168.68.50 jusqu'à 71.250. La plage est totalement bizarre. Qui veut dire que j'aurai une adresse IP sur mon réseau. Donc la borne va se connecter sur mon réseau local qui lui-même se connecte sur ma Livebox. Et on aura donc un troisième plan d'adressage derrière. Ma Livebox fait du 10.0. Mon réseau Unify fait du 192.168.10, 20 ou 30 ou 40 en fonction du VLAN dans lequel vous tombez. Et lui part apparemment sur du 192.168.
68, 68. On a l'itinérance rapide qui peut être activée, désactivée en fonction des périphériques que vous avez chez vous, s'ils sont fiables ou pas, s'ils sont récents ou pas. Le 802.11R permet justement de faire en sorte que dès que vous avez un signal qui va être un peu trop faible sur votre téléphone, sur votre ordinateur, peu importe, et bien en fait, il va voir s'il y a une autre borne qui est plus performante à côté et basculer rapidement. En fait, ça se fait au niveau de la borne et pas tant au niveau du périphérique, mais ça permet d'être très réactif. Par contre, si vous avez des vieux équipements, ils ne gèrent pas ça et pourront se connecter, déconnecter de manière intempestive. Et on a même un transfert NAT avec de la redirection de port si justement vous voulez jouer un petit peu et faire des redirections. Quand je me connecte de l'extérieur depuis tel port, ça redirige vers le port machin à l'intérieur pour avoir un serveur SFTP par exemple. Donc même si c'est du grand public, ça a toutes les fonctionnalités qui permettent de faire du geek avancé et c'est très bien. Vraiment, j'aime beaucoup ce produit, vraiment. Bah, après, on a les classiques, hein, les alertes de connexion, tu m'envoies un SMS, tu m'envoies une notification push, etc. en fonction de ce qui se passe. Qui sont les administrateurs, c'est moi, est-ce que je voulais l'aide allumée, le système, est-ce qu'il y a des mises à jour, est-ce que je redémarre, tout ça. Et les emplacements déco avec des conseils pour savoir où les placer, mais c'est juste des conseils. Je pense qu'on sera d'accord pour dire que la première des choses à faire, c'est un speed test, enfin la première. Une des premières choses à faire, c'est de faire un speed test. Donc là, il est câblé, encore une fois, sur mon réseau qui va très vite. On sera limité très clairement par le Wi-Fi 6 de la borne. On ne devrait pas dépasser les 600 mégas. Voilà, on s'arrête à 500+. C'est totalement normal pour du Wi-Fi 6 à 80 MHz. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais passer le réseau sur du 160 MHz pour vous montrer la différence. Voilà, on vient de passer à 160 MHz et effectivement, ça bombarde un petit peu plus. On a, en toute logique, presque le double de la connexion, ce qui est parfaitement normal. 816 et 426. Donc là, on va faire un autre truc, c'est qu'on va brancher l'iPhone en RJ45 juste derrière. Vous voyez, RJ45 vient d'apparaître. Le câble violet va derrière sur le câble gigabit. Et ici, maintenant, on est câblé sur les décos, histoire de faire un speed test et de voir ce que ça peut donner également. Et donc, sans surprise, puisqu'on est câblé, on va saturer le câble RJ45 en gigabits. On va être à 950-960 gigabits. Et sur le hub, on va être à 600 mégas, qui semble être mon hub. Ah ben j'ai un meilleur hub que ça, apparemment j'ai du 800 mégas. Ça c'est bien, mais on est sur la base, donc c'est encore normal puisqu'on est directement raccordé au réseau. On va faire la même chose, mais en 5G. Donc là je suis sur mon application déco, je débranche le câble qui va à la borne et normalement je ne devrais pas avoir d'interruption, ça devrait automatiquement basculer d'une manière ou d'une autre. Et si je viens maintenant dans les réglages internet tout à l'heure où je vous disais que l'application était en veille, on a effectivement l'IP qui est remontée, donc la borne 5G s'est activé. Et là où c'est fort, c'est que ça a été totalement transparent. Il n'y a pas eu de latence, il n'y a pas eu de bug, quoi que ce soit. Par contre, après c'est peut-être ma faute, j'ai pas activé les notifications, mais il n'y a eu aucune notification. Et sur l'écran d'accueil, voilà, si j'ai impossible de se connecter à internet, ça me dit tout simplement que j'ai un problème sur ma ligne. Et 2 secondes plus tard, j'ai « Hey, vous êtes connecté à Orange 5G ». Donc là, pareil, toujours en câblé, je vais refaire un speed test, mais ça sera ni plus ni moins que le speed test de ma connexion 5G en réalité. Avec un peu moins bien, puisque mon téléphone capte mieux que la borne 5G. Et on a un 5G qui capte mal, vraiment. Ici, j'ai une très bonne fibre, mais une mauvaise 5G. Donc, je suis à 300 mégas en down et je vais être à 6-8 en up, je pense, quelque chose de pas ouf comme ça. Ça marche donc parfaitement bien. Et comme sur cette chaîne, on fait des tests aboutis, on va tester de se câbler sur le module mesh qui est à l'étage et qui n'est donc relié à rien d'autre que le module 5G en bas, en Wi-Fi directement. Lui discute avec l'autre d'en dessous et on va voir quel débit on a en haut. Je suis donc câblé sur mon iPhone, je relance un speed test et pour moi c'est une grosse surprise. Je ne m'attendais absolument pas à voir ça. C'est sensiblement la même chose que si j'étais directement en bas. Je suis à 850 mégas à peu près, c'est ça, hein, 880 mégas même. Donc réellement le débit ne change pas ou peu avec les modules mesh connectés en bas. C'est la première fois que j'ai un setup full mesh. Toutes mes bornes, elles sont reliées en câble et elles peuvent faire du mesh quand mon câble lâche. C'est bluffant. C'est bluffant réellement en termes de performance et en termes de facilité de configuration, d'installation et d'utilisation parce que ça m'a pris une fraction du temps de configurer tout ça. J'ai laissé tous les réglages par défaut que de configurer un vrai gros setup Unify par exemple avec des performances équivalentes. Vraiment sur ce truc là, bravo TP-Link sur cette gamme Deco X50 5G avec les petits modules AX3000, ça marche du feu de Dieu. Un sujet qui peut être important, c'est que si vous avez des modules Deco, ils sont tous compatibles entre eux. J'ai vu ça sur le site en préparant
cette vidéo, les modules déco sont tous compatibles entre eux. Donc vous pouvez très bien avoir un module 5G comme celui-ci et avoir en périphérie ou dans votre bureau des modules Wi-Fi 7 si vous voulez, parce que TP-Link en a sorti et j'aimerais vraiment tester ces trucs-là. Ou vous pouvez au contraire partir sur un réseau mesh classique comme ça pour avoir un réseau Wi-Fi étendu partout dans votre domicile et vous dire ben, dans le bureau ou dans la pièce de vie, je mets un module Wi-Fi 7 qui est différent donc de cela, ça sera un module BE quelque chose et ça marchera parfaitement. Chaque module va se connecter avec les autres en fonction des caractéristiques de chacun. Donc je suis très fan de ce principe, vous l'avez bien compris. Si ça vous intéresse de tester des modules Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7, etc. de la gamme déco et de voir comment tout ça s'interconnecte, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. S'il y a des trucs que j'ai mal expliqué qui sont un peu flous ou si je me suis foiré sur certains trucs, n'hésitez pas non plus à le mettre dans les commentaires avec du respect et de la bienveillance comme d'habitude. Bonjour, merci pour la vidéo, mon commentaire, etc. C'est quand même la moindre des choses. Et quant à moi, il me reste à vous souhaiter une excellente fin de journée et à vous donner rendez-vous dans la prochaine vidéo. Des bisous, ciao ciao.